Bonjour. Bonjour. Maïté, quel est le menu du jour? Aujourd'hui, nous allons faire une terrine de canettes. Une terrine de canettes avec des bonnes canettes de votre pays, c'est-à-dire des Landes de Gascogne. Voilà, bien sûr. Alors, que faut-il pour faire une terrine de canettes? Il faut pas mal de petites choses, mais enfin, des petites choses minimes quand même. Alors, il nous faut un peu d'armagnac, il nous faut du vin blanc, il nous faut de la salade, de la ventresse, du veau, du porc, des gésiers, du foie, un petit peu de muscade, de l'ail, des œufs, du foie gras, mais là, si on n'a pas la chance d'avoir du beau, on peut faire avec un peu de foie gras ordinaire, c'est déclassé. Et des canettes, voilà. Pourquoi du foie gras déclassé? Parce qu'il est moins cher. Il est moins cher. Il est moins cher. C'est pas la peine de mettre des beaux quand même foie gras, première qualité, qui est très cher. Voilà. Bon, ça va disparaître dans la terrine, bien entendu. Alors, le canard, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir le découper, j'imagine, pour commencer. Alors, on va sortir les magrets. Et c'est pas facile comme... Enfin, c'est pas difficile, mais pas comme les canards gras. Les magrets sont découpés, Maïté. Alors, ce ne sont pas des magrets de canard gras. Non, il faut bien l'expliquer, donc ce n'est pas énorme. Non, ce n'est pas énorme. C'est des magrets des canards maigres. Alors, on les a enlevés des deux côtés des canards. Et qu'est-ce qu'on va faire du reste du canard? On fera un ragoût. On peut les saler pourrer. Vous faites un ragoût, vous les mettez à la soupe, mais un ragoût avec des pommes de terre, c'est bon. Bon, alors, on le met de côté pour le moment, on les oublie. Et que va-t-on faire, alors, avec ces filets? On va préparer la marinade, d'abord. On va préparer la marinade. Oui. Alors, que mettez-vous dans cette marinade-là? Du vin blanc. Voilà, on va mettre du vin blanc et de l'armagnac, tout bonnement. Voilà. Ça ne peut pas être mauvais, évidemment. Non. Mais inutile de mettre des légumes? Non, pas celle-là. Pas celle-là, parce que la marinade, après, on s'en servira. Oui. Il ne faut pas de légumes. Là, alors, on va escalope. Vous avez mis assez abondamment d'armagnac par rapport à la quantité de vin. Mais il faut comme ça. Et alors, vous découpez des filets? Oui. Là, évidemment, il faut un couteau qui coupe très, très bien. Qui coupe très, très bien, voilà. Et la main légère. La main légère. On arrive à en faire trois dans un magret, trois. Celui qui est artiste en fait quatre. Ce qui fait qu'on supprime pratiquement complètement le gras. Oui. La peau et le gras. Oui. Mais on peut les mettre à mariner tout de suite, je pense. Non, il faut saler poivrer. Oui. Je vais les saler poivrer après. Voilà, vous pouvez y aller, je crois. On va les faire petit à petit. Oui. Là, je vais les saler les poivrer. Et on va les mettre tranquillement. À tremper. Oui. Vous les laissez à peu près combien de temps là-dedans? Bon, une bonne heure. Une bonne heure, ça suffit. Oui. Voilà. Maïté, on en a découpé en filets très minces. Trois et le quatrième, pareil? Non, un carré. En cube. On va faire des petits cubes. Après avoir enlevé la peau? Oui. Ah oui, ça serait trop gras. Alors, des petits cubes. Voilà. Terminé. Et ensuite? On les sale et on les poivre, les petits cubes. Aussi, mais on les laisse en attente. On les laisse en attente. Et on va commencer la farce, alors, je pense. Que va-t-on mettre dans cette farce, Maïté? Eh bien, on va mettre notre ventrèche, on va mettre notre porc, notre gésier et le foie. Voilà, vous m'avez dit d'ailleurs qu'on pouvait mettre du porc ou du veau, à volonté, comme on veut, ça n'a pas d'importance, ou éventuellement les deux. Voilà. Alors, on y va. Vous allez, je pense, me donner ça et je vais tourner, moi. Oui. Comme d'habitude. Non, comme d'habitude. Voilà. Alors, ça, c'est les morceaux de gésier. Ça, c'est les morceaux de gésier. Que vous avez nettoyés un peu. Oui, parce qu'on ne met que les lobes de gésier, là, les manches, pas bien entendu. Vous avez enlevé le déchet, si on peut dire, et la peau. Oui. Voilà. Ensuite, vous m'avez parlé. Ça, on le laisse là. Oui, c'est nos petits cubes de canard qu'on a coupés, ils vont servir à autre chose. Le foie des canettes, des deux canettes. Ça sort pas beaucoup, là. Eh bien, ça devrait sortir normalement, et ça va sortir. Là. Voilà, ça arrive. Et de la ventrèche que vous allez couper, pour qu'on la mette dedans. Maïté, pourquoi est-ce que vous mettez quelquefois de la ventrèche et quelquefois du jambon? Je me suis toujours demandé. Parce que voilà, le jambon. Le jambon qu'on achète, il est très maigre. Oui. Et c'est sec. Oui. Tandis que cette ventrèche, elle est salée, elle est assaisonnée, elle est poivrée, elle est comme il faut, et ça remplace bien le jambon, ça donne bien meilleur goût. Alors, dans une farce, il faut toujours mieux mettre de la ventrèche de la que ventrèche, du jambon. Voilà, que du jambon. Oui. Très bien, ben ça y est. Oui, voilà, vous savez tout. Vous me donnez la ventrèche. Oui. Et ensuite, je suppose qu'on va préparer un saladier pour mélanger tout ça. Oui. Là. Voilà, ça y est. Alors, on va pousser nos cubes là. Là. Ben vous savez, votre hachoir, il ne marche pas à la merveille. Eh bien, il n'est pas aiguisé. Bien, Maïté, vous avez plus de force que moi. Oui. Hein. Ça marche mieux. Hein. Eh bien, je crois que ça va y être. Là, ça très, être, très vite, hein. Ça va y être. On va en avoir assez. Hein. Oui. Là. Bon, ça y est. Alors, cette farce, qu'est-ce qu'on va en faire?
Eh bien, on va monter maintenant notre terrine. Mais d'abord, il faut assaisonner cette farce, là. Assaisonner, bien sûr. On va monter la terrine, quand même, là. Vous allez trop vite pour nous, là. Bon, alors, assaisonner cette farce, qu'est-ce que vous allez mettre là-dedans? Du sel et du poivre. Pour commencer. De l'ail, je vais pousser ça, là. Oui. On va y mettre du l'ail, bien entouillé. Oui. Là, c'est bien maigre. On va y mettre de l'ail, j'en ai plein les mains. Mais alors, vous le coupez, là, vous le coupez très, très, très fin, simplement. Ah oui, on le hache. On le hache. On le hache sur les mains, sur les persils, il ne faut pas des beaucoup quand même, parce qu'il n'y a pas une grande terrine. Là, on va en mettre un petit peu. Oui. Voilà. Très bien. Là, il y en a assez. Ensuite, vous avez parlé de muscade aussi, il me semble, tout à l'heure. On va la racler un peu. Oui. Voilà. Et on va la laisser gouffir, comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire, gouffir? C'est du patois de chez vous, ça? Oui, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Prendre le goût de tout ce qu'on met dedans. Tout ce qu'on met dedans. Autrement dit, il ne faut pas s'en servir tout de suite, tout de suite, tout de suite. Non, c'est quand le déchagouffi. Voilà, tout un patois. Là, alors, on s'arrape une noix de muscade pour donner un tout petit goût. Pas trop, bien entendu. On la retouille. On la retouille. Après, on va ajouter de notre jus de marinade. Vous n'aviez pas parlé d'œufs aussi? Ah, c'est vrai. Oh, mais j'oublie tout, là. Et heureusement que vous êtes là. Il semble que vous m'avez parlé d'œufs. C'est bien. Bon. Alors là, il ne faut pas mettre tellement. Hein. Et pourquoi? Bon, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Non, non, non. Non, c'est pas ça. On est plus riche que ça. Non, c'est parce que les œufs, c'est bon pour ceux qui n'utilisent pas, qui mangent du pâté, une petite tranche de pâté et... Il ne se conserve pas, voilà, pour la bonne raison. Tandis que nous, notre pâté qu'on fait, nous-mêmes, on peut commencer la boîte et 8 jours après, est encore bonne. Tandis que le pâté qu'on achète, malheureusement, ne me critiquez pas, mais on coupe une tranche le lendemain, le surlendemain, alors là, il faut le jeter. Et alors, celui qu'on achète n'a pas d'œufs ou a trop d'œufs? Il en a trop. Il en a trop, il en a trop. On en a mis trop et c'est pour ça qu'il s'avachit assez vite et qu'il prend une couleur peut-être pas très appétissante. On y met un petit peu de tout, mais... C'est pas l'idéal. Ça ne le supporte pas. Alors là, un seul œuf. Mais là, ne me grondez pas, mais c'est vrai. Ben, si nous faisons la cuisine maïté comme ça, c'est bien pour montrer que si on la fait soi-même, il y a un avantage. Ça ne serait pas la peine de se donner tant de mal sans ça. Alors, qu'est-ce que vous allez ajouter? Alors maintenant, on va rajouter un petit peu de marinade. De la marinade. Oui. Ce qui est fait avec le vin blanc et l'armagnac. Pas beaucoup, quand même. Là, il y en a parce que ça va être trop liquide. Non, mais on va le sortir. Oui, là, je vais en sortir un peu. La quantité, c'est toujours à l'œil. À l'œil. Pas la peine de peser ça, quoi. Avec l'habitude. On va le laisser comme ça, parce que ça va bien le boire. Là. Et on va le laisser prendre, reposer un peu. Et ensuite, on pourra envisager de monter la terrine. Exactement. Exactement. Voilà. On a pris une petite terrine en terre, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Ça fera à peu près pour combien de personnes? 5-6. 5-6, ça va. Bon appétit. Voilà, bon appétit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Alors là, on va la graisser. On va graisser cette terrine. Voilà. Là. Vous avez pris de la graisse de canard, de parce que vous en avez canard. Toujours chez vous dans les Landes, toujours, donc c'est meilleur. Tout le temps. Bon, ensuite. Là. Alors, on va mettre une couche de farce. Oui. Voilà. On va mettre une couche de foie gras. Une lamelle de foie gras. Suffit. Après, on va mettre des petits carrés. Ce sont des petits cubes qu'on a coupés dans un magret. Il faut le rappeler, il y a longtemps qu'on dans les a pas fait. Dans le magret. Et qu'on avait salé et poivré. Voilà. On va remettre un petit peu plus de farce. Là, bien étalé. On va mettre nos lamelles de magret. Marinées. Marinées, bien entendu. Voilà. Sans les éponger, ce qui fait qu'elles vont garder le goût de l'armagnac et du vin blanc. Oui, parce que ça a bon goût. Voilà. On va remettre du foie gras. Oui. Là. Alors là, comme c'est large, il faut en mettre. Oui. Parce que c'est la seule. C'est le milieu de la terrine. Oui. Là, et on va presque pratiquement le mettre tout. Voilà. Voilà, là, ça va bien, bien rentrer. Après, on va remettre de la farce. On peut dire, Maïté, que toutes les terrines, c'est le même principe. Mais c'est le même principe. On n'est pas obligé de mettre du foie gras. Non. Ici, on en a, on en met, mais enfin. Non. Oui, on peut faire plus simple, si on veut. Avec du foie de volaille, on peut mettre et tout ça. On peut faire plus économique, enfin. Après, on va finir par nos lamelles. La dernière couche, c'est pour ça qu'il faut en garder assez. Pour comme couvrir. La terrine est large. Voilà. Et là, on va finir notre hachis. Encore du hachis pour terminer, oui, pour couvrir. Pour terminer, pour couvrir. Et ça va être fini. Et ça va être fini. Là. Tout prêt à cuire? Non. Et pourquoi? Alors maintenant, on va faire revenir dans une poêle d'une laitue bien verte, bien jolie. Une jolie salade. Qu'on va recouvrir de feuilles, on va les faire un peu de terre.
La laitue est prête. Qu'est-ce que vous en faites maintenant? Eh bien, maintenant, on va la mettre là-dessus, sur la terrine. Oui. Voilà, on la range gentiment là-dessus. Voilà. Vous brûlez, non? Ça doit être très chaud. Non. Pas trop. Il faut savoir ce qu'on veut. Eh? Voilà. Là, on va mettre les plus jolies. Celle-là, elle est chaude, par contre. Ça y est. Là. Et comment on va la cuire? Au bain-marie. Ben, je crois qu'il y a ce qu'il faut là. Oui. Voilà. Là. On la met là. Oui. Je rajoute de l'eau. Et rajouter de l'eau. Le four est chaud? Le four est chaud. Il faut le mettre à très chaud. Très, très chaud. Très chaud. Heureusement qu'on l'a allumé avant. Si. Allez-y, je crois que c'est voilà. Bon. Voilà. Eh bien, on attend là une bonne heure de temps. La terrine a cuit 1h15, oui. Maïté. On aurait pu la laisser refroidir un petit peu plus, oui, mais, voilà. Mais il faut quand même montrer comment elle est oui. dedans. Hein. Vous allez pouvoir la couper? Alors, on va la couper. Naturellement, il va de soi que le couvercle de salade, on ne le mangera pas. On ne le mangera pas, et, non, oui, parce que c'est la salade. Oui, il aura servi simplement voilà. à garder un petit peu d'humidité dedans. Quoi. Voilà. C'est dur à couper parce qu'il y a évidemment c'est les tranches de viande. Les tranches de viande. Et c'est même assez dur après la sortie. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Voilà. Voilà, on va la mettre comme ça. Eh bien, là, oui. on voit toutes les couches. On voit la viande, on voit le foie gras, et ça sent bon comme toujours. Et ça sent bon. Et voilà. Oui. Ça n'est pas une recette très difficile. C'est succulent. On peut la faire plus simplement en supprimant le foie gras. C'est moins bon, bien sûr. Mais enfin, c'est délicieux comme ça, et vous ne devriez pas la rater. Alors essayez, pourquoi pas. Et à bientôt. Bon appétit. À bientôt.